Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Youssef Dalal de la chaîne Chocomic TV. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer la correction d'activité de communication progressive du français. Allons-y. Alors la situation qu'on doit tout simplement corriger ces activités, c'est demander le prix. C'est l'acte de langage. Dans une papeterie, bien sûr, c'est l'acte. L'association de communication qu'on doit bien sûr répondre à ces activités. Grammaire, on a déjà vu l'utilisation de l'infinitif, une manière de dire aussi. Allons-y, on va découvrir les activités d'aujourd'hui avec explication. Et je vous donne bien sûr le temps de les effectuer. Après, on va faire la correction. Voilà, il faut choisir tout simplement la bonne réponse. Je voudrais du papier à lettres ou plume. Normalement, on dit je voudrais du papier à lettres. Du papier à lettres. C'est pas du papier à plume. Et associé pour construire une phrase complète. Par exemple, vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Ou le stylo fait combien. Voilà. Ici, 5... Activité 5, c'est une activité orale. Vous demandez le prix des articles suivants. Utilisez une phrase différente pour chaque article. Voilà. Vous demandez le prix des articles suivants. Utilisez une phrase différente pour chaque article. Alors, il faut choisir la bonne réponse. On dit je voudrais du papier à lettres. Je voudrais du papier à lettres. L'enfant dessine avec un crayon de couleur. J'efface avec une gomme. Il me faut un porte-mine. Je mets les documents dans un dossier. Alors, je voudrais du papier à lettres. L'enfant dessine avec un crayon de couleur. J'efface avec une gomme. Il me faut un porte-mine. Je mets les documents dans un dossier. Alors, associé pour constituer une phrase complète. Associé pour constituer une phrase complète. Alors on dit, vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Vous pouvez me dire combien ou le prix de ce stylo. Ah, vous avez donc deux choix. Vous avez compris? Soit vous pouvez me dire combien. Combien ce sera, combien ceci. Ce sera, non. Combien ceci, combien cela. Vous pouvez me dire combien ça. Voilà. Ou vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Le stylo fait combien? C'est combien? On peut dire aussi c'est combien? Ou c'est à combien? C'est à combien? Il vaut mieux de mettre c'est à combien? C'est à combien? Les enveloppes sont à combien? Ça fait combien? Voilà. Et quel est le prix de ce stylo? Vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Quel est le prix de ce stylo? Ça fait combien? Les enveloppes sont à combien? C'est à combien? Le stylo fait combien? Vous pouvez me dire le prix de ce stylo. Vous pouvez me dire combien ceci, combien cela, combien ça. Voilà. On a vu toutes les possibilités. Alors, si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner.
Cliquez sur le bouton de l'abonnement. Ou vous pouvez aussi cliquer sur le bouton like si vous aimez bien sûr cette vidéo. Vous pouvez partager et vous pouvez mettre s'il vous plaît votre commentaire. D'accord? N'oubliez pas aussi si vous avez envie bien sûr d'avoir de nouveautés de cliquer sur la cloche. Je vous remercie. C'est avec vous Monsieur Sefdalel de la chaîne JuComic TV. À la prochaine.